Si tu as du mal à sortir de ton lit, cette séance est faite pour toi. Prends une position assise confortable et ferme tes yeux de main sur tes genoux. Tu respires profondément par ton nez. Tu expires complètement. Et doucement, ouvre tes yeux. Dépose ta main droite sur le côté et tire ton bras gauche le long de ton oreille. Ressens l'étirement sur le côté de ton corps. Reviens au centre, main gauche sur le côté, bras droit le long de ton oreille. Pousse ta hanche sur le côté pour sentir l'étirement sur le flanc de ton corps. Et reviens au centre. Dépose cette fois-ci tes hanches du côté gauche de tes talons, main droite dans ton lit. Envoie ton bras gauche le long de ton oreille. Tire un petit peu plus loin. Reviens au centre, change de côté. Fessier du côté droit de tes talons, main gauche dans ton lit. Tu envoies ton bras droit le long de ton oreille. Après ta prochaine expire, tu redéposes tes fessiers sur tes talons, position assise. Entrelace tes mains à l'arrière de ton dos et pousse ta poitrine loin vers l'avant. Naturellement, ton visage s'élève vers le plafond et tu relâches. Viens à présent à quatre pattes sur ton lit et tends tes bras vers l'avant pour ramener ta poitrine vers ton lit. Tu peux garder ton menton, peut-être ton front connecté. Tire tes fessiers très haut vers l'arrière et tourne tes épaules vers l'extérieur pour ouvrir. Tu peux presser contre ton lit pour ressentir cette ouverture un peu plus profonde. Doucement, redépose tes fessiers sur tes talons. Glisse vers l'avant sur tes avant-bras et ramène tes hanches contre ton lit. Chien tête en haut, tu peux rester sur tes avant-bras si c'est plus confortable et tu vas basculer tes hanches d'un côté puis de l'autre pour réveiller les côtés de ton corps. Respire. Reviens au centre, lève ton visage vers le ciel et ramène tes hanches à l'arrière à quatre pattes. Dépose à présent tes fessiers sur tes talons. Sur ton inspiration, tu pousses ta poitrine vers l'avant en archant ton dos. Sur ton expiration, tu arrondis en plaquant ton cœur vers l'intérieur. Encore inspire, ouvre ta poitrine. Expire, tu arrondis. Menton vers ton sternum. Encore, ouvre dans ta poitrine sur l'inspiration, crée de l'espace. Sur l'expire, tu arrondis. Et reviens au centre. Entrelace tes mains ensemble et pousse le plafond avec tes paumes de main. Gigote de gauche à droite, réveille ton corps et relâche. Dépose ton tibia à l'avant sur ton lit et tends ta jambe gauche à l'arrière pour le pigeon. Même chose, tu bascules tes hanches d'un côté puis de l'autre pour réveiller tes hanches. Puis tu vas plier activement ta jambe à l'arrière pour ramener ton talon vers ton fessier. Ressens l'engagement dans ton ischio. Puis relâche. À nouveau repli. Et cette fois-ci, attrape ton pied avec ta main gauche. Ramène ton talon le plus près possible de ton fessier pour étirer l'avant de ta cuisse. Relâche délicatement et directement on change de côté. Place ton tibia gauche dans ton lit et tends ta jambe droite à l'arrière. Gigote de gauche à droite pour réveiller tes hanches. Puis plie activement ta jambe arrière pour engager dans ton ischio. Ramène ton talon le plus près possible et relâche. À nouveau, tu replies. Cette fois-ci, tu attrapes ton pied avec ta main droite. Et tu presses ton pied vers ton fessier pour étirer l'avant de ta cuisse. Doucement relâche et reviens à quatre pattes. Tends tes bras vers l'avant et plonge ta poitrine contre ton lit à nouveau Anahata. Redéroule ta colonne et pousse tes hanches à l'avant.
sur tes avant-bras ou sur tes mains, au choix. On est à nouveau dans notre chien tétanque. Bascule tes hanches d'un côté puis de l'autre. Et repose-toi pour retrouver une position assise. Tends tes jambes vers l'avant, pied flex. Attrape tes pieds par l'extérieur, soit en gardant tes jambes tendues, soit en les pliant. Et ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Attrape tes pieds par le dessus. Ouvre dans ta poitrine, allonge ta colonne. Sur l'expire, tu replonges pour aller un peu plus loin. Redéroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Dépose tes mains à l'arrière de ton dos, bout de tes doigts qui pointent vers l'avant. Presse dans ton lit avec tes mains et tes pieds pour lever tes hanches, posture de la table. Après ta prochaine expire, tu relâches. À nouveau, presse dans ton lit, lève tes hanches très haut. Étire tout l'avant de ton corps et redépose. Fais un grand câlin à tes jambes en arrondissant ton dos. Et retrouve une position assise sur tes talons. Sur ton inspiration, tu envoies tes bras très haut vers le ciel. Et sur ton expire, tu connectes tes mains en namasté devant ta poitrine. Prends une profonde inspire par ton nez, ressens ta poitrine qui se gonfle. Expire, tu relâches par la bouche. Te voilà fin prêt et prête pour sortir de ton lit. Merci beaucoup d'avoir débuté ta journée avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire et à liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu es nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Merci pour ta confiance et je te dis à très vite. Belle journée. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Merci pour ta confiance. Bravo d'avoir déroulé ton tapis aujourd'hui avec moi. Et je te dis à très vite.